Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un bas de bikini au crochet. Si vous souhaitez également réaliser le haut, sachez que la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne Le Crochet de Plume. C'est un modèle très facile et très rapide à réaliser et je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour pouvoir le réaliser d'une taille XS à une taille 6XL. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai utilisé du fil bikini spécial maillot de bain et de nouveau j'ai utilisé donc la couleur corail ainsi qu'un crochet taille 2,5. Au niveau des tailles, donc si vous réalisez une taille XS ou S, il vous faudra seulement une pelote et pour les tailles M à 6XL, vous aurez besoin de deux pelotes. C'est un fil spécialement adapté donc à l'eau, vous pouvez aller tranquillement dans l'eau avec, votre maillot ne risque pas de bailler ou de se déformer. Et vous pouvez retrouver sur la boutique de Loupation de nombreuses couleurs, vraiment il y en a des magnifiques, je me suis longtemps tâtée d'ailleurs avec le fil noir ou le fil violet. On aura donc besoin également d'une aiguille à laine ainsi que de deux petits marqueurs à laine. En fonction de la taille que vous souhaitez faire, donc, on va réaliser une maille chaînette. Pour les tailles XS, on va faire une maille chaînette de 5 cm, ML 6, XL 2XL 7 cm, 3XL 4XL 8 cm, 5XL 6XL 9 cm. Je vous ai quand même mis le nombre de mailles chaînettes au milieu. Après, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux se baser au centimètre plutôt qu'au nombre de mailles en l'air que je vous indique. Mais voilà, c'est juste à titre indicatif. Et au passage, donc la fiche de réalisation en format PDF est disponible sur le site lecrochetdeplume.com ou dans la description de cette vidéo. On va commencer par monter une maille chaînette en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser et je vais donc vous donner toutes les mesures en centimètres pour réaliser au plus juste et au plus près de vos souhaits la taille que vous voulez faire. Et on est parti. Donc moi, pour ce modèle, je vais réaliser une taille M et je vais donc faire une maille chaînette de 6 cm. Pour ça, je fais un nœud coulant et je viens monter une maille chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 et 14. Donc, pour la taille que je souhaite faire, j'ai réalisé 14 mailles en l'air, donc environ 6 cm. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez encore au plus juste adapter cette taille en vous référant à votre bas de maillot de bain. Moi, par exemple, le mien, c'est une taille 38-40, donc une taille ML pour moi. Et j'ai fait donc ma maille chaînette qui correspond finalement à la taille du maillot de bain que j'ai déjà. C'est un petit point de repère, voilà, comme ça si vous voulez, vous pouvez tout simplement fonctionner avec les explications en suivant totalement le modèle que vous avez chez vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement si les mesures conviennent ou non. Moi, je trouve que c'est méga pratique. En tout cas, ce tutoriel, je l'ai créé de cette façon-là. J'ai fait un premier jet sur mon bas de maillot à moi. J'ai pris toutes mes mesures. J'ai adapté après en fonction de chaque taille au niveau des centimètres. Et bim bam boum, voilà ce tutoriel. Donc on est reparti. Une fois qu'on a notre maille chaînette de base, on fait une maille en l'air supplémentaire. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et donc, on fait une bride dans chaque maille de la chaînette. Donc moi, par exemple, vu que j'ai fait 14 mailles en l'air plus une, je dois avoir au total 14 brides. Donc, une, deux, trois, quatre et 14. Donc pour l'instant, ça va être facile. Sur une petite partie, on va monter simplement en faisant des rangs, en travaillant une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc on commence le nouveau rang sans faire de maille en l'air directement dans cette configuration-là. On tourne, on pique dans les deux brins de la première maille, une maille serrée,
une maille en l'air qui compte comme notre première bride, un jeté, et on fait de nouveau donc une bride dans chaque maille du rang précédent en piquant à chaque fois seulement dans les deux brins. Et 14. On tourne et on va faire comme ça du coup. On va faire des rangs sans aucune augmentation, toujours tout droit, en fonction de la taille que l'on réalise. Donc pareil, les petites mesures doivent apparaître normalement en bas à l'écran en fonction de vos tailles. Donc moi, pour une taille ML, je vais partir sur 6 cm. Donc là, hop, deux rangs, ça fait quasiment 2 cm. Donc, je vais continuer de travailler jusqu'à obtenir mes 6 cm de la même façon en faisant toujours des rangs sans augmentation, sans diminution. Donc moi, j'ai réalisé au total 7 rangs pour 6 cm. Donc à partir de maintenant, on va commencer à alterner avec des augmentations. On va faire un rang avec une augmentation au début, un à la fin, un rang sans augmentation, etc, etc. De nouveau, avec les petites tailles qui s'affichent en bas de l'écran, en fonction donc de la taille que l'on souhaite réaliser. Donc directement dans cette configuration-là, une fois que cette partie correspond à la taille que l'on souhaite réaliser, on tourne et dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On prend un marqueur et on marque la maille en l'air. Vous allez voir, ça va être super utile pour la suite. Un jeté, au même endroit, on pique et on fait une bride. Donc là, on va faire que des brides, jusqu'à arriver à la dernière maille. Arrivé dans la dernière maille, on fait une augmentation. On pique bien dans les deux brins et on fait deux brides dans la même maille. Donc une et deux. Voyez, on a fait une augmentation au début et une augmentation à la fin. On tourne, on pique directement dans les deux brins de la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première maille. On reprend un petit marqueur. On vient marquer donc la maille en l'air. Et cette fois-ci, on repart donc sans aucune augmentation. On a commencé dans la première maille, on a fait une bride. On pique dans la maille suivante, une bride. Et on fait un rang donc sans augmentation. Une bride dans chaque maille du rang précédent. Et le fait de mettre des petits marqueurs, vous allez être sûr et certain de ne louper aucune maille en fonctionnant de cette façon-là. Moi perso, je mets toujours des petits marqueurs parce que comme je fais du crochet devant une série, en faisant des pauses, parce qu'entre-temps je fais à manger, nanani, nanana. Non Mina, c'est pas toi que j'appelle. Non, pardon. Ça me permet vraiment de ne pas me tromper, de mettre mes petits marqueurs au début et à la fin. Et là donc, dans la dernière maille, où j'ai mon petit marqueur, une bride, normalement. On tourne et du coup, comme on a fait un rang sans augmentation, le suivant, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et exactement au même endroit, une bride. Donc on reprend avec une augmentation au début, une à la fin. Donc on vient marquer la première bride, comme ceci, et on refait exactement la même chose. Et on termine par une augmentation. Et on alterne jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Un rang avec les augmentations, un rang sans augmentation. Donc là, moi, pour la taille que je réalise, j'ai fait 13 cm de hauteur. À partir de maintenant, on ne va plus alterner avec des rangs d'augmentation et des rangs sans augmentation. On ne va faire que des rangs d'augmentation en fonction de la taille que l'on souhaite. Ça veut dire qu'on commencera chaque rang par une augmentation et qu'on terminera chaque rang par
une augmentation. Je vous laisse faire pause et notez donc les mesures qui vous intéressent au niveau des hauteurs totales en centimètres et de la largeur totale en centimètres. Pour la largeur totale, il s'agit de la largeur prise tout en haut de notre ouvrage. Une fois que l'on a la taille que l'on souhaite, donc moi j'ai 26 cm de largeur et 22 cm de hauteur. Donc ça correspond à une taille ML. On va passer à la suite. Donc, on va stopper notre fil. Une maille en l'air et on coupe. On va venir travailler cette fois-ci de l'autre côté. Donc on tourne notre ouvrage et on va reprendre donc avec exactement la même hauteur. Par exemple, si comme moi vous faites une taille ML et que là vous avez 22 cm, de l'autre côté vous allez crocheter de nouveau sur 22 cm. Donc on pique au niveau de la maille chaînette et on se rattache donc de l'autre côté. Au niveau des deux brins, un jeté, on passe, une maille en l'air et on vient faire le petit nœud. Donc moi, pour la taille que je réalise, j'ai fait une maille chaînette de 14 mailles en l'air. Donc normalement là, j'ai 14 mailles à travailler. Sauf que là, donc on fait la partie du derrière. On ne va faire que des augmentations au début et à la fin, à chaque rang, jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Donc on commencera chaque rang directement par une augmentation. Donc au même endroit sur la première maille, on fait, je vais profiter pour cacher mon fil. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On vient la marquer. Au même endroit, une deuxième bride. Donc on fait une augmentation au début, un jeté et on travaille. Donc là, toutes les brides normalement, sauf la dernière où on fera une augmentation. Et dans la dernière maille, on fait donc une augmentation. On travaille deux brides. On tourne et on va répéter ça donc jusqu'à avoir la même hauteur que sur la partie du devant. On fait à chaque fois une augmentation dans la première maille du rang et une augmentation dans la dernière maille du rang jusqu'à arriver donc à la même hauteur que le devant. Donc je vous laisse travailler comme ceci et on se retrouve juste donc après. Là, une fois que notre partie du derrière a rejoint la même hauteur que la partie du devant, on va passer au contour et aux lanières sur les côtés. Vous voyez, c'est vraiment un modèle super facile à faire. Après, vous pouvez très bien adapter si vous voulez, par exemple, que ça ne fasse pas une culotte, mais plutôt un tanga, quelque chose de plus près. Vous pouvez refaire deux fois la même partie que pour le devant. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc là, directement ici, on ne coupe surtout pas le fil. Là, j'ai ma dernière bride. Je fais une maille en l'air et dans chaque bride, ici sur le côté, on va faire deux mailles serrées. Une et deux. Donc, je remets mon petit marqueur sur la première maille serrée, comme ceci. Et on va faire ça donc à chaque fois. Donc là, vous voyez, la bride d'en dessous, elle est ici. Une et deux. Une et deux. Une et deux. Une et deux. Dans chaque première bride ici, on fait deux mailles serrées jusqu'à arriver ici de l'autre côté. Et idem, donc dans la dernière bride, on fait deux mailles serrées. Donc là, on arrive sur la partie du devant. On a fait donc
nos mailles serrées et on va venir faire la lanière. Donc pour ça, moi, je vais réaliser tranquillement une maille chaînette de 111 mailles en l'air. Après, vous pouvez augmenter si vous souhaitez pour avoir un nœud un peu plus conséquent. Et vous pouvez diminuer. Par contre, si vous diminuez, faites quand même vachement attention à avoir suffisamment après de votre lanière pour pouvoir nouer votre maillot. Donc là, moi, je viens réaliser une maille chaînette de 111 mailles en l'air. Ensuite, on va revenir donc en maille serrée sur toute notre maille chaînette. Donc, on saute la première maille, on pique dans la suivante. Et comme j'ai fait 111 mailles en l'air, je viens faire donc une maille chaînette de 110 mailles serrées. Et 110. Et là, sur le dessus, c'est facile. On va travailler donc dans chaque maille, une maille serrée à chaque fois. Donc, on pique. Et on reprend donc normalement en faisant dans chaque maille du rang précédent une maille serrée jusqu'à arriver sur l'autre extrémité. Et donc là, de nouveau, on va refaire une maille chaînette identique à la précédente. Et de nouveau, donc, on repart sur que des mailles serrées au niveau de la maille chaînette. On va repartir donc sur le côté au niveau de nos rangs de brides et faire à chaque fois deux mailles serrées dans la première bride à chaque fois. Arrivé ici au bout, on va refaire donc une maille chaînette pour recréer une autre lanière. On va repartir en maille serrée, refaire une lanière et terminer ici. C'est là où on avait commencé donc à faire nos mailles serrées sur le côté pour avoir donc des lanières de chaque côté pour obtenir donc notre maillot. Et voilà pour le résultat final une fois que l'on a terminé de réaliser les bordures et les lanières. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut !